Nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire. Merci. C'est dans le nom de Jésus. Merci pour cette présence. Merci de nous faire du bien au nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. 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 Nous venons de démarrer. Tu filmes, montre aux gens que nous avons mis ça. C'est ça, on appelle ça solidaire. Nous venons de démarrer compte tenu du fait qu'il y a un problème d'éclairage. Et puis juste derrière ici, il y a un problème. Bon, je crois qu'on a suspendu un peu, on a une pause pour rentrer en salle. Sinon, le programme, c'est-à-dire, c'est que tous les vendredis, nous avons des programmes de délivrance. C'est vrai que ce matin, j'ai reçu des personnes. Sinon, en temps normal, tous les vendredis matin, il n'y a pas de réception. Ça me permet de récupérer en force, afin de pouvoir être efficace. Voilà. Demain matin, comme ça, je ne voudrais pas me voir jusqu'au soir. Demain, nous démarrons à partir de 15h. Parce qu'il faut que les gens qui viennent ici reçoivent un miracle de Dieu. Voilà. Donc, l'onction, ça se prépare. Et c'est dans le secret. Voilà. Dans le secret. Donc, permettez-nous à nous autres de rester longtemps dans la présence de Dieu. Et que le Seigneur puisse déverser son onction sur nous. Donc, demain matin, je ne serai pas avec vous. Je suis en train de tout faire pour boucler le programme. Ce qui fait que même, il y a des personnes comme ça, comme demain. Demain, il y a un gagnant. Justement, il n'y a pas un programme obligé de reporter le programme de gagner pas. Pour ceux qui nous suivent, ils sont obligés de reporter le programme de gagner pas parce que il y a une organisation qui a commencé à se machiner ici, au bon ici et tout ça. Il y a même pas la semaine prochaine, nous voyageons, nous serons à Gaza. À partir du jeudi, je rentre à Gaza pour un programme d'une semaine. Nous serons de retour jusqu'au 24. Je vais jusqu'à 10 février, nous serons sur Paris. J'en profite pour dire merci au pasteur Kwasi. Et demain, j'informe en même temps tous nos chers amis et tous ceux qui suivent les musiques que demain il y a une grande réunion à Paris par rapport à mon arrivée sur la France. J'exhorte tout le monde de s'y mettre pour que vraiment il y ait une très grande mobilisation pour que nos frères de la diaspora, ceux qui n'ont pas cette occasion de venir en Côte d'Ivoire, puissent nous rencontrer lorsqu'on sera à Paris afin de pouvoir délivrer certaines personnes. Maintenant, je dis un merci pour ceux qui viennent déjà rentrer sur Casa, parce qu'il y a déjà plus de 51 coups de fil. Pour ceux qui viennent nous rencontrer déjà à Casa, nous aurons effectivement des programmes à Casa. Heureusement qu'on a, des personnes qui sont en train d'organiser. Voilà, d'organiser. Vous savez, ils m'ont dit que les pays arabes sont un peu bizarres. Donc, j'ai déjà une église d'un pasteur congolais qui va nous accueillir à Casa. Nous aurons 3 jours, 4 jours sur Casa. Pour un programme à Casa et puis nous aurons d'autres programmes à l'ambassade de la Côte d'Ivoire là-bas. Donc ça serait très bien organisé. J'en profite pour dire merci. Merci à tous ceux qui organisent notre programme, notre venue sur Casa. Je vous informe en même temps que Armel sera, il prend son vol. Il prend son vol le 14. Il sera le 14 à 6h du matin à Casa. Voilà, pour préparer ma venue. Moi et le président, nous serons à Casa. Le 16 à 6h du matin à l'aéroport de Casa. Je pense qu'avec tout ça, à 8h, nous serons déjà à l'hôtel Ibis. Et à partir de l'hôtel Ibis, par la grâce de Dieu, à notre résidence, et nous serons en contact avec l'église du pasteur congolais au niveau de Casa. Amen. Donc cette année, ça serait vraiment des programmes danse. Dis amen. Ça serait des programmes danse, danse, parce que Jésus va vous délivrer. Là, tu chantes, hein. La gosie ziliwa ou. Tu réponds pas. C'est pas maintenant la gare. Quelle danse, hein? Bonjour. Hein? Bonjour. Hein? Tu attends, tu attends ça. Bonjour. Bonjour. Hein? Non, il y a un problème. Elle dit bonsoir. Ah non, elle sait parler français que moi. Bonsoir. Maîtrise. Elle maîtrise le temps que moi. Elle s'est dit, moi, je suis hors réseau. Donc, bonsoir. Et Eric. Amen. Jésus à quelqu'un, Jésus va te guérir. Jésus va te guérir. Dis quoi ça? C'est moi. Oh, Jésus va te délivrer. Ce monsieur là, il souffre.
Ça fait 10 ans. 10 ans sur l'insuffisance rénale. Il fait dialyse. Quand il m'a expliqué le cheminement de dialyse, il était choqué. Hein? Ça fait 10 ans qu'il ne pisse pas. Ouais, non. C'est-à-dire, je vous en ai amené à avoir la compassion et pour prier sérieusement. Jésus va te guérir. Amen. Ouais, Jésus. Dis à quelqu'un, Jésus va te guérir. Jésus va te guérir. Amen. Amen. Le miracle, c'est quelque chose qui est surnaturel. Amen. Amen. Si Jésus ne guérissait pas, moi, je n'aurais pas aujourd'hui me converti. C'est parce que Jésus m'a miraculeusement guéri. Et je me suis converti, je me suis donné à Jésus, véritablement à Jésus. Mes poumons étaient infectés. Les blancs ne pouvaient pas apporter une solution à mon problème. Parce que c'était un mystique. Mon problème était un mystique. Les nuits, je ne pouvais pas dormir. Jusqu'à ce que Jésus me dise, je me dis que c'est dans la médecine. Comment je prends la guérison de lui? Je regarde beaucoup de personnes que je suis perçu. Donc, dis à quelqu'un, ton problème, c'est un petit problème. Ton problème, c'est un petit problème. Ça va? Bien. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Je suis malade. Souvent quoi? Je suis mal. Tu viens d'où? Je viens de Mans. Tu viens de Mans. Tu es de quelle ethnie? Je suis peul. Tu es peul. Eh! Tu es comme mon frère là. Tu viens d'où? La Guinée? Non, Mali. Mali, eh! C'est mon parent en plus. C'est mon oncle, on dirait. C'est toi, papa. Ouais, c'est mon oncle. Tu es musulman? Ah, vous voyez? Très bien. Mais si ça n'a rien à voir la religion, Jésus va te guérir, d'accord? C'est là, Jésus l'a délivré. Ça va, là? Voilà. Ça va? C'est quelque chose qui vient dire, montez ma vie. Elle m'emmerde à faire des vies. Vous voyez, quand on découvre la puissance de Dieu, surtout nous qui avons fait l'islam, vous découvrez que les chrétiens ont quelque chose dans la main qu'ils négligent, qu'ils savent ce qu'ils ont dans la main. Vous avez l'impression que vous êtes en retard. Il faut rattraper ce retard. Vous en voulez, vous voulez forcément chercher à connaître. C'est là ma mère. Bible. Tout ça. Je dis, ok, c'est que Jésus l'a touché. Voilà. Parce que la conviction, vous savez, la conversion, là, c'est une conviction qu'on reçoit de la part de Dieu. C'est quand Dieu te convainc. On dit que le Saint-Esprit est le seul qui convainc du péché, du jugement, de justice. Jésus va te délivrer. Comment tu as connu tu m'as connu? YouTube. As-tu sur YouTube? Depuis moi. Nous sommes à 165 pays voilà, qui nous suivent dans le monde entier pour dire que nous sommes aujourd'hui à 1000, je suis à 1140 abonnés sur notre chaîne. Ce qui nous réjouit, c'est qu'au travers de cette vidéo, je suis dit aux gens, ce n'est pas Crasso qui est en train de se faire connaître, mais c'est pour permettre aux gens d'expérimenter la puissance de Dieu et de permettre aux gens, de certaines personnes, d'être délivrés de ce pouvoir, de pouvoir de la sorcellerie. Jésus va te guérir. Tu crois ça? Ferme tes yeux. La puissance de Jésus-Christ est dans sa vie. Thank you.
Je vois une vitesse sur toi. Allez! Feu! Feu! Allez! Feu! Feu! Allez! Allez! Je vais lui mettre. Il y a quelqu'un, Jésus va te délivrer. Lâche-la. Excusez-moi. Lâche-la. Feu. 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 Allez. 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 Oui, lâche-la. 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 Le projecteur n'est pas là. Voilà, faites sortir. Je vais
Lâchez-la. Lâchez-la au nom de Jésus. Feu. Au nom de Jésus. 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 Amen. Ne dis pas, mais c'est pas. Merci. Lâche-la. Tu m'attends? Lâche-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche-la. La puissance de Jésus te délivre maintenant. Sa puissance te délivre. Sa puissance te libère. Sa puissance te délivre. Sa puissance te délivre. Sa puissance te délivre. Sa puissance te délivre. Sa puissance te libère. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Va, te délivre. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu vas la libérer.
Puissance qui est dans le sang de la vie. Je proclame ta délivrance maintenant, au nom de Jésus. Lâchez-la. 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 On suppose ce corps. La puissance de Jésus consume vos œuvres dans ce corps. J'aimerais de Dieu. Le feu du Saint-Esprit consume vos œuvres dans ce corps. Puissance de Jésus. Puissance de Dieu. La puissance de Jésus. Délivre maintenant. Je maudis votre présence dans ce corps. Je proclame totalement sa délivrance au nom de Jésus. Feu! 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 Allez! Allez! Lâchez sa vie. Lâchez sa vie. Lâchez-la. Au nom de Jésus. C'est un ordre. Je vous ordonne de lâcher sa vie. Vous m'attendez? Je ménage tes œuvres et je refuse la mort programmée contre elles dans le nom de Jésus. Ramène tout son argent. Laisse-la maintenant. Laisse-la maintenant. Je libère ses pieds. Je libère ses mains. Le feu sur vous. Oui, feu. Feu, 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 feu. Le feu. 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 Allez. Va lâcher sa vie. C'est un ordre. Lâche-la. Sita, lâche-la. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, Sita? Qu'est-ce qu'elle t'a fait, Sita? Lâche ton arbre. Lâche ton arbre. Lâche. Lâche ton arbre. Lâche ton âme.
lâche ton âme. Tu vas partir. Le feu chez toi. Redonne-moi tout son argent. Son argent. Le feu. Feu. Laisse sa vie. Je délivre son âme. Lâchez-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lâchez son âme. Dans le nom de Jésus. Lâchez-la. Je maudis ta présence dans ce corps. Et lâchez-la. Tu vas partir? Attends. Va-t'en. Va-t'en. Libère-la maintenant au nom de Jésus. Libère-la au nom de Jésus. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu te libère maintenant. Elle te délivre maintenant. La puissance de Dieu te délivre maintenant. Elle te délivre maintenant. Lâchez son âme. Lâchez son âme. Lâchez son âme. Vous libérez son âme et maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâchez-la. Tu m'attends, lâche son âme. Elle est dans son argent. Donnez-lui son argent. Sa chance. Sa puissance te libère. Oh madame, on te voit plus là, c'est bien. Oui, je ne te vois pas. Ça va, monsieur? Ça va? Pourquoi? Arrête-moi ta comédie là. C'est un petit sorcier. Allez! Comment? Allez! L'esprit de sorcellerie. Allez!
Esprit de sorcellerie. Esprit de sorcellerie. Comment? Allez. Feu. Feu. Allez. 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 Voilà, c'est un gros plan. Allez. Allez. Feu. 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 Esprit de sorcellerie. Esprit de sorcellerie. Le feu sur toi. Celui qui travaille ici. Ah. Où est l'autre? Elle est là. Elle est tout à l'heure. Feu. Signalez-vous à vous que vous voulez travailler dans le ministère. Là. Déclarez-vous. Nous allons vous former, vous allez faire partie du ministère. Feu! Allez! N'ayez pas peur, il y aura une formation. Feu! Allez! 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 Esprit de sorcellerie. Esprit de sorcellerie. Esprit de sorcellerie. Ça va, je crois. Tiens, Dieu me met à te donner l'argent. Tiens. Il y a des gens, c'est pas sujet de prière. L'argent les délivre. Je sais que tu as un besoin. Tiens. Ton mari est là. Ta grossesse évolue bien. Va manger, ça va t'aider. Amen. Il y a des gens déjà priés aussi. L'argent t'en est dit. Retirez. Allez. Retirez un peu. Allez. Lâche-la. Allez. Feu. Elle a montré que rien qu'à tuer qu'à ce temps. Elle m'a insolent, elle m'a acquitté, elle m'a mis. Je condamne l'esprit qui est en toi, qui sort de la sorcellerie, qui se tord, au nom de Jésus. Allez! Vous savez, je vous ai expliqué quelque chose. Quelqu'un peut parler, vous dites qu'il est sorcier, il parle, j'ai tué tant. Mais si vous ne le délivrez pas, il demeure toujours sorcier. Donc elle a parlé, oui, mais il faut que l'esprit quand même quitte son corps. Vous n'êtes plus qu'elle soit sorcier parce qu'elle est possédée d'un démon. Qu'on appelle l'esprit de la sorcellerie. Vous allez expliquer, elle dit non, mais vous savez, j'ai un démon. C'est ça qu'après les aveux, nous chassons l'esprit de cette personne-là. Allez! Il va quitter son corps. Démon de sorcellerie. Toi, tu devais faire un accident très grave en avril. C'est un envoûtement. Mais cette même année, dans le monde de Dieu, tu vas voyager. Il y a un programme de voyage sur ta vie. Et c'est là-bas que tu vas avoir l'argent. Ça va commencer par Hollande. Tu vas avoir un peu d'argent en Hollande et tu vas aller t'installer aux États-Unis. À l'argent, Dieu t'a béni sur cette terre-là. Dieu t'a béni pour avoir l'argent. Vous le regardez.
suis pardonné. Dans mon numéro, si tu l'as béni, tu as la paix. Moi, ta mère d'elle. Feu! En plus, c'est mon oncle. En plus, vous voyez. Feu! Ah, qu'il aime. Comment? Allez, lâche-la. Sorcellerie. Allez! Feu! Feu! Allez! 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 Vous n'avez pas remarqué que c'est le même esprit de la vie, la vieille, de la dernière fois, le même esprit qui se manifeste? Panthère. Ça veut dire qu'il y a panthère, voici. Ici, là, c'est comme une école. Quand les esprits se manifestent, regardez, c'est le même esprit. C'est les esprits les plus dangereux à marcher de la sorcellerie, l'aigle et puis panthère. Donc cet esprit-là qui se manifeste, c'est panthère. Et c'est très dangereux. Eux ne ratent pas leur victime. Feu! Quitte. Elle Feu. Attention à lui, là, il a fini ça. Le chanceux. Comprenez là, tu peux attraper. Comment? C'est un ancien aussi. C'est un aussi que Dieu a délivré. Si tu le garantes, tu vas voir ce qu'il va te montrer. Pendant qu'il t'attrape, il va te poincer, quoi. Pendant que tu as coupé de corps. Tu l'as vu déjà. Il va se cacher, il va te faire coupé. Si tu le connais, tu vas coupé. Allez. Allez. Quitte son corps. Il a peut-être qu'il a dans le rire. Le regarde. Elle te regarde. Elle ne connaît pas. C'est pas que ça là, c'est dans le rire. Comment? Je suis de la sorcellerie. Lâche-la. 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 Allez. Allez. Quitte. 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 Allez. Oui. Allez. Allez, 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 la puissance de Dieu. Allez, allez, cette année-là, nous allons nous organiser avoir le temps pour vous délivrer au maximum. Hier, était chez moi, je lui ai montré une image de Cameroun où les gens étaient en train de tourner plus de 7-8 sorciers. J'ai balancé ça sur le net hier. Pourquoi on fait des commentaires pour ça? J'ai dit, ici, nous les délivrons. J'ai du mal même à regarder la vidéo. Parce qu'on les frappait, on allumait le feu, on les tapait, ils fuyaient le feu, les gens revenaient dans le feu. Mais tu es criminel. Même si les sorciers, tu es en train de commettre un crime. Et l'homme ne doit pas se venger. Même si tu penses, c'est Dieu seul. Vous versez le sang. Sous prétexte que ces personnes sont sorcières, c'est vrai. Mais en le tuant, tu es en train de commettre un crime. Okay. Il t'a dit, oh, il va t'attraper. Conseil va te donner 3 coups de tête. Elle réagit. Elle voit. Mais regarde, c'est sa boutique. Vous voyez, elle a banque. On les appelle maintenant mangeur d'âme. Hein. Elle a fait des sorcelleries là, c'est bon. On dit manger dedans, on va commencer à prendre le sujet au Seigneur. Feu! Allez, lâche-la. 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 Couche-toi. 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 Allez. Allez. Rampe. Allez. Allez. Rampe. Allez. Allez. Feu! Couche-toi. Couche-toi. Feu! Feu! Couche-toi. Couche-toi! 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 Feu! 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 Consulte tes yeux. Comment? Mmh.
that again.